Dites donc, Thérèse, c'est tout de même très calme. Un seul appel depuis 18 heures. SOS détresse? Je suis au bout du rouleau, là. Qu'est-ce que je dois faire? Il m'a fait un cadeau magnifique. Et tout ce que je suis capable de faire, c'est de lui ramener des embêtements. J'ai failli ne pas vous attendre. Pourquoi vous m'attendiez? Croyez-moi, homme en retard, liaison dans le tiroir. Et je sais de quoi je parle. J'en ai fait les frais. Et puis tiens, rends-moi mon pognon d'allocation de grossesse. Oh, remets pas ça sur le tapis ou je te fous une danse que tu t'en souviendras. N'approchez pas! Vous avez tout! C'est affreux, il a essayé de se suicider. Il a avalé 3 boîtes de médicaments et 2 litres de lotion capillaire, on a appelé le SAMU. Une amie, mais... Je suis l'ami de personne. C'est toujours pareil, hein, ça, quand on est pas une grande connasse à mes 75, avec des seins comme des obus, alors on est rien, on est que moche. Bah oui, mais moi j'ai des poils qui me poussent sous le maquillage et je suis un pot à tabac, mais j'aurais quand même le droit de vivre, voilà. Vous avez demandé la police, ne quittez pas. Pierre, il est mort, Pierre. C'est du chantage que vous me faites, monsieur, je ne savais pas. Joyeux Noël, fait. Accrochez-vous, Mario. Bloquez cet ascenseur. Avec mieux petit cœur, avec mieux petit cœur. Non, mais ça va pas, hein. Je vais vous dénoncer parce que vous êtes un porc. D'ailleurs, vous avez une tête de porc. Qu'est-ce qu'on va faire, Pierre? C'est une catastrophe, Thérèse. Je ne vois pas pourquoi je vous raconte tout cela, n'est-ce pas? Ça n'est pas bon d'ami! Vous n'avez rien à foutre. C'est une vraie Thérèse. Oh! Il entend encore un pétard, je m'en... Y'en a plus, c'est terminé. Ça fait des années que nous casser les couilles. Alors on va le découper en morceaux, puis on va le jeter dans la Seine. Et puis ce sera tout! Appelez la police! Appelez la police! Alors maintenant, rentrez dans votre pays! Ça, je te l'avais dit. Et foutez-nous la paix! J'étais sûr qu'il allait gueuler.